donnez-moi les mémojis. Il faut du Harry, RS Quattro ou Ferrari. J'fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. J'prends virage à gauche, j'prends virage à droite, mais j'ramène le produit, le produit. Ouais, que si tu commences à faire des perquisitions, etc. dans vos locaux, non, ça c'est pas grave. Hey, t'es qui, enfoiré, t'es qui? Eh, hey, viens là. Non, attends, excuse-moi. T'es qui, là? Excuse-moi. Eh, hey, écoute, laisse-moi partir, s'il te plaît, je peux pas dire... Eh, hey, relève ton masque. Écoute, tu me connais. Ouais, y'a pas d'écoute. C'est qui? Tiens, j'avais mon masque, attention. Vas-y, enlève ton masque. Cousin, c'est moi, cousin. C'est qui? Tu me reconnais pas, le sang? C'est Billy? Ouais, cousin. Qu'est-ce que tu fais, la con de ta mère, ici? Eh, j'attends juste que la procureure parte. J'ai un truc à faire avec Vertigo. Quel truc? T'inquiète, je dois juste lui parler. Mais écoute, tu dis à personne que c'est moi, d'accord? Je te fais confiance. À toi et Vertigo, je fais confiance. C'est quand qu'elle part la proc? T'as combien sur toi? Comme ça, j'ai combien sur moi? T'as combien de platin? J'ai 198 dollars. Donne. Putain. Tout le temps, je dois donner ça. Tiens, voilà. Vas-y. Et ouais, mais tu surveilles quoi là? Tu surveilles que le procureur parte? Bon, vas-y, viens. Je marche très lentement comme ah, ça. Avant que tu bandes devant moi encore. Ah non, moi je pense pendant les rêves. Hier j'ai rêvé toi, je crois. Mais vas-y, trop. Wesh. Oh. Hein? Non, rien, t'inquiète. Non, mais si tu m'as dit c'est naturel. Oui, t'as oui, c'est naturel, mais. Ouais. Pas de moi, frérot. Ah, ok. Bon, mon frérot, là, c'est quoi? Tu voulais m'emmener à un endroit? Là, j'allais tuer Kennedy. Non, Kennedy, laisse-la se reposer un peu. Elle a eu trop de délais de galère en ce moment. On la tue demain? Ouais, vas-y, demain, on la tue. Vas-y, demain. Mais elle peut nous rapporter de l'argent au lieu de la tuer, faut pas la tuer, je pense. Et quoi, proxiner tout ça? Bah, je pense, hein. Ou même artiste, elle fait des raps, Kennedy. Jure. Ouais, elle écrit des bah, freestyle. C'est quoi, on la assassine dans un label et on prend tout l'argent. Et prend rien du tout, c'est bon? On l'assassine dans un label? Ah, on l'assigne dans un label? Ouais, vas-y. Ouais. Bah, c'est quoi? C'est carré. C'est quoi? Je devais prendre 100% de ses recettes, mais je donne tout au Vagos, ok? Vas-y, et ouais, je te donne une part aussi. Parce que c'est aussi toi, grâce à toi. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Eh, t'inquiète. Bon, là, et t'es sûr que tu vas te présenter comme ça au Comic-Con? Ah non, je suis con, j'aurais dû mettre ma tenue. Non, moi je te conseille vraiment pas. On retourne là-bas. Cette tenue, elle est que pour vous, cette tenue. Ouais, faut mettre une tenue pouilleuse, quoi. Ouais. Vas-y, je vais essayer de faire tirer leur attention. Mais t'es sûr, hein? Vas-y. On va tenter. Vas-y. C'est notre seule piste. Vas-y, arrêtez-vous. Je te fais confiance, hein. C'est ton moment. Ouais. Arrêtez-vous, les cools. Prends les deux. Emmène-les loin du véhicule. Monsieur, je peux vous parler. Est-ce qu'une Adam, elle est fouillée du secteur 6, si vous voulez? Il faisait, tu te fous ma gueule ou quoi? J'ai fait le secteur 5, moi. On a fait tout le secteur 5, ça nous a pris du temps. Hein. On vous a dit, vous faites 110 chars et puis vous faites palais de Tobé, hein. Que c'était censé être deux Adams. On n'est qu'une Adam à y être allé. On n'a jamais parlé de deux Adams, 17. Ici, deux Adams dans le secteur 4 et 5. 5-6. My bad. Allez, je vais te mettre une grosse patate. Va contre le mur, allez contre le mur. Ah, bon, je m'énerve. C'est pas contre le mur. Y'a quoi, les gars? Votre effet, il a disparu? Il a disparu. Je vais pisser sa mère. Oui, alors, les gars, je comprends que votre préfet, il a quitté la ville. Mais c'est-à-dire... Il peut revenir à tous les coups. Donc croyez-moi, c'est les gars. C'est quoi ce délire? Il se passe quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé avec votre préfet? Zitou, laisse-moi parler, cousin. Il se passe quoi, les cousins? Notre effet, il a disparu. On sait pas c'est qui. Et la tête de ma mère qu'on va le plomber. Et vous êtes sur les nerfs? Ouais, mais désolé, okay, on n'a pas à mettre nos nerfs sur vous. Excusez-nous, mais. Y'a pas de soucis, les cousins. Les cousins, remontez dans votre voiture et sauvez les vôtres. QLF, les cousins. Y'a pas de soucis. Peace and love. Gracias, merci beaucoup. Ça ne fait un 10-19, c'est bon. Ah, comme vous voulez, si vous faites un 10-19. Partez. Fais les deux.
15, on y va. Attends, deux secondes. Ah chef, là, il est là, 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 là. Là. C'est un risque, mais on a tout. C'est grâce à Papé, grâce à... 15% central, apparemment, c'est les balles qui auraient... Je pense qu'il faut faire un 10-19. Le refait, général, faites vraiment attention, ça va partir en couille. Vas-y. Je pense qu'il faut faire un 19. Ouais. Soyez tous sur vos gardes de gilets pare-balles pour tout le monde. Est-ce qu'on tourne autour du quartier Ballas ou pas? On attend le boss. Okay. Retransmet. Est-ce qu'on surveille le secteur 3 pas? Ok, ok. 93 à toutes les unités. Ah ouais. Que tout le monde bouge de l'hôpital, je veux une seule Adam qui reste à l'hôpital. Tout le reste part en 10-41 je vais y rester, et une Adam part au braquage. C'est bon? 24 à 93. Avant d'interroger Manson, attends-moi. 10-4, reviens au bureau directement. Adam 27, 19. Du coup, ça compte de... T'as fait le truc dans le coffre, là? Ouais. Tu sais que c'était risqué. Ouais, je sais que c'était risqué, mais j'ai réfléchi sur un coup, peut-être l'opportunité... Oh, oh. Tu sais que c'était à l'éclame, c'est... L'opportunité, elle était trop bonne. Vas-y, j'espère que tu vas venir me rechercher, enfoiré. Nous. Je fais des signes, je parle QLF. Je brûle mes souvenirs, j'éclaire le BNF. Cœur de billet, j'entends qu'on me... Je vous explique. C'est simple. En gros, on était en train de patrouiller, on était en train de récolter des infos concernant ça, et d'un coup, on avait un véhicule vagos. Alors, je vous cache pas, c'est moi qui ai pris la décision de continuer à suivre le véhicule. On a suivi le véhicule. Sur un coup de tête, j'ai dit à Billy et à Papy, est-ce que vous pouvez faire une diversion pour détourner le regard, que moi, je puisse me mettre dans le coffre des vagos? C'est ce qui s'est passé. Billy et Papy, ils ont mis contre le mur les deux vagos, et moi, j'en ai profité pour me glisser dans le coffre. Quand je me suis glissé dans le coffre, Billy et Papy les ont relâchés. Ils sont remontés dans leur véhicule, et c'est là qu'ils ont commencé à parler. Alors, les infos, c'est simple. D'abord, c'est fini le chef des Ballas. Tu peux répéter, s'il te plaît. Les Vagos ont tué le chef des Ballas, à la salle de torture. Très bien. Quelle salle de torture? C'est à côté de la salle des Vagos? Là-bas, ouais. Là où on était? À côté du barrio des Vagos, ouais. Ouais, ça serait une supposition, mais de ce que j'ai compris, il faudrait juste que je me remémore à peu près le tout. C'est à peu près ce qui a été dit. Ils ont tué le chef des Ballas, ce qui revient à dire que en gros, ça part de là. Les Ballas ont voulu se venger de ce qu'ont fait les Vagos. Addison, elle a quoi? Addison, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est le chef des Vagos qui est à l'hôpital. Il est mort? Non. Vu que c'est... Je suis allé vérifier, il est inconscient. Ok, très bien. Ensuite, ils ont... Mais c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as fait le plus gros. Ouais, c'est moi qui ai pris le risque, mais si eux ils auraient pas été là, j'aurais jamais pu me glisser dans le truc. À toi. Beau plan tous les trois. La prochaine fois, très attention. Là, t'as eu la chance. C'est bon. Et merci à Billy et à Papy d'avoir fait la diversion. Sans vous, 52 ne serait pas rentré dans le coffre. C'est bon. Et c'est eux aussi qui m'ont extrait du coffre. Ça aussi, il faut le notifier. Okay. Sinon, j'aurais été grave. Marque-le dans le rapport. Marque-le dans le rapport directement. Je continue à le dire, c'est nous trois qui avons fait le boulot ensemble. Tu marques tout ça dans le rapport, tout le monde le lira. Tout le monde sera au courant. Non, par contre, pas de ça ici, s'il vous plaît. Ah, désolé. Faites ça chez vous si vous voulez, un peu ici. Non, okay, c'est bon, je prends note, vous pouvez retourner en patrouille. Pas de problème, on y va. Prenez une pause si vous en avez besoin. Partez du côté secteur 3, mais faites pas de conneries là-bas, ça risque ouais, de changer. Pas de problème. Mais ça, je te suce la bite, frérot. Viens. Écoute-moi bien. Je vais faire un rapport d'enculé. Si on ne passe pas officier, je comprends pas. Let's go. Mais pousse-toi. Pardon, je rigole. T'es un bâtard, t'as vu comment il s'excusait? Tes couilles, elles étaient grosses, frère, comme le continent des États-Unis d'Amérique, frère. Ils ont tout balancé. Et dis-toi encore pire, hein. J'ai démon Vertigo, il a été à l'hôpital parce qu'ils allaient retourner à la salle de torture. J'allais faire un 10-20, on serait tous rappliqués, on les aurait tous arrêtés. Putain. Tu sais là ce qu'on va faire? Ouais. Là, je vais te mettre sur un tuyau, mon pote. Vas-y, mon pote. Là, on va interroger Addison, la meuf là qui s'est fait. Oh, yes. On va aller l'interroger, on va aller voir ce qui s'est passé. Et on va lui mettre la pression jusqu'à qu'elle balance le tout. Oh yes, là c'est trop grave ce qui est en train de se passer là, c'est trop grave. Hey Mason, si tu veux je te bouffe le trou de balle, c'est quand tu veux, frérot. Même s'il y a des poils et tout, j'y vais, frère, c'était trop fort. Attends. Ouais. Attends, je te le refais avec une meilleure voix. Nique ta mère sans façon. Oh putain, il me casse les couilles. Elle se fait kidnapper, elle va pas voir les flics.
Ah, Mia, pardon. Eh, hey, tu l'as mis par cher, mon pote. Ouais, j'ai même pas vu, je viens de voir là, j'ai pas fait exprès. Ouais, tu l'as décoiffé là. Ouais, ça, elle a même pas parlé en plus, je suis KO. Regarde, elle râle même. Mia, tu me pardonnes? Bon, vas-y, fais la star. Et c'est 92. Je suis avec le gouverneur, je viens ou pas? Wesh, il est toujours couché lui? 19. Mason? Oui, mais. Avec. On arrive. Tu viens au 19. Oui, on arrive. Il a éclaté sa mère, il s'est jamais relevé du chaos que j'ai mis. Papy, il y a un 10-19 là? C'est pas moi, papy. Ah non, excuse-moi, j'ai cru que t'étais papy avec tes cheveux. Ah, moi, c'est 17. Excuse-moi, 17, il y a un 10-19? Ouais, mon frère. Oh non, je déteste les 10-19. T'es le patron, et nous on trois pas trop. À la chicha sous ballon, tu te pars tout à l'amour.